Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous montrer mes cadeaux d'anniversaire de mes potes. Parce que oui, c'est deux fois mon anniversaire, une avec mes potes et une avec ma famille. Et du coup, pour pas que faire une vidéo trop longue, j'ai voulu diviser du coup cette vidéo en deux parties. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais faire deux grosses dédicaces. Donc déjà, première dédicace à Laure, parce que elle commente beaucoup mes vidéos, elle me donne plein de conseils et elle conseille ma chaîne sur sa chaîne. Donc voilà, grosse dédicace. Et deuxième dédicace, donc sur son nom, c'est Oni Feuli, parce que pareil, elle me soutient énormément. Bon après, comme tout le monde, mais elle met énormément de commentaires dans mes vidéos, etc. Donc encore une fois, grosse dédicace. Donc bref, on va plus trop tarder la vidéo. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, commenter, partager, t'abonner. Si c'est la cloche de notification, moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. On est parti, let's go. Alors, donc déjà, on va commencer par cette tenue incroyable, parce que oui, cette tenue incroyable que j'ai actuellement, et ben je l'ai eu à mon anniversaire. Donc déjà, en fait, c'est un assortiment. Moi, je l'ai eu en vert, mais ma pote est venue avec le même en beige. Donc, je vous montre entièrement, ça donne ça. Donc il y a le petit haut crop top et la jupe. Donc la jupe, elle est assez longue, hein, elle va jusqu'à là. Je fais pas vraiment dans l'ordre qui m'a acheté quoi, enfin vraiment je... Donc déjà j'ai eu deux nouveaux gloss Kiko, donc j'ai eu celui-ci, donc c'est un mat pailleté de la teinte 03. Et celui-ci, d'ailleurs j'ai une pote qui l'a, celui-là. Et c'est la teinte 26, du coup c'est trop bien, j'en ai 4. Donc j'ai eu 3 masques en tout, donc j'en ai eu un Kiko comme ça, hydratant. Pas un Kiko mais c'est des patchs pour les yeux au café, j'adore le café. Ensuite celui-là, donc c'est de la marque 1-15-T. Vous savez, c'est les masques moussants comme ça. J'ai eu un gloss transparent de la marque Modélite. Donc voilà, enfin c'est un gloss transparent quoi. L'embout, genre il a l'air trop doux, enfin trop en mode bien et tout. Du coup c'est trop cool parce que c'est toujours pratique d'avoir des gloss transparents juste pour mettre par exemple par-dessus un rouge à lèvres pour faire un effet glowy. J'ai eu un spray fixateur parce que j'en avais pas, j'en voulais un parce que le maquillage il tient jamais toute la journée. Donc c'est de la marque Maybelline New York. Ensuite j'ai eu encore de chez Kiko un mascara. Donc c'est le mascara que je voulais, genre vraiment. J'avais pas dit à ma pote que je voulais ce mascara. Et genre elle me connaît trop. Donc voilà. Regardez la brosse, elle est incroyable, pépita. Ensuite j'ai eu des petites limamons comme ça et elles sont vraiment juste trop trop belles. Celle-ci en mode I love you, elle est trop belle. Il y a une avec des cœurs et une autre c'est des fleurs ou des taches en mode de léopard. Ça va les filles. Ensuite j'ai eu deux highlighters, donc j'en ai eu un déjà comme ça, enfin un. Il y en a 3 dedans quand même. Donc il y a 3 couleurs, il y a plutôt un argenté, un gold et un doré. Donc je sais pas trop la marque, je crois que c'est peut-être des Dona là. Et du coup... Je les ai testés, ils sont incroyables. L'highlighter Kiko. Oui, vous m'avez bien entendu, le Kiko. Celui qu'on entend parler partout. Qui est juste incroyable. Donc, j'ai utilisé, mais j'ai laissé dans son petit sachet. Parce que pour pas l'abîmer. Oh, trop beau. Bon, il y a reflet de la lumière, mais il est juste incroyable. Il est un peu pailleté rose, quoi. Ensuite, alors, la partie des bains, là, ils m'ont gâté, hein. Donc, déjà, dans ce petit truc avec les smileys, ouais. Alors, du coup, dedans, on a ça. Donc, c'est un gel douche avec des paillettes dorées. Oh, my god. Il est incroyable. J'aime trop. Encore testé, mais genre, je veux juste voir en mode un tout petit peu. Oh. Regardez. Énormément de paillettes. Vous voyez les paillettes? Ensuite du coup j'ai une bombe de bain en mode, je trouve que ça fait un peu en mode Atimol, c'est trop, ou œuf de dragon. Donc une bombe de bain comme ça, rose et bleu. Par contre l'odeur, mamma mia. On a envie de les manger genre, c'est trop beau. J'ai en mode un petit savon comme ça, trop cute, j'aime trop, c'est trop stylé, c'est trop mignon. Il y avait aussi un gommage pour les lèvres à la cerise. Regardez genre ça fait vraiment en mode du sable. Ensuite il y a un bain moussant, donc c'est un peu genre, ça fait un peu étoile bleue, un peu genre la reine des neiges. Elle est trop belle, genre en mode pailleté et tout. À mon avis, ça va faire bien mousser ça. Et puis, je suis déjà à 10 minutes de filmage. Là, ça se trouve, la vidéo, elle va durer même pas 3 minutes. Une vache. Elle est trop mignonne. En vrai, c'est trop mignon. Et en plus, regardez, genre, ça va détendre les couleurs dedans. La dernière, c'est une queue de sirène comme ça. Trop belle avec la petite queue. J'ai l'impression que la queue, elle est pas en matière bombe de bain. Elle est en mode en savon. Ensuite, j'ai eu des paires de bain violettes et c'est Blueberry Bass. Pearls, my English accent. Et genre en fait bah c'est comme des bombes de bain, genre que c'est des perles qui éclatent dans le bain. Santé. Je rigole. Hein. Abonnez ma campagne. Pardon. Si tu regardes cette vidéo, je sais que tu vas la regarder de toute façon en entière. T'as capté pourquoi j'ai dit ça, celle à qui je fais ça. Ensuite j'ai une mousse de douche. Voilà. Elle sent les fruits rouges. Trop bon. Ensuite une petite bombe de bain Sephora à la menthe. Et ça, donc c'est cocktail Mojito Lune. Et en fait c'est il y a plein de couleurs genre dedans. Ensuite j'ai eu un gel douche à l'amande et à la fleur d'oranger de chez Yves Rocher. Et aussi j'ai eu ça, donc en fait il y en a 5. En fait c'est des petits trucs qui éclatent dans le bain et qui se transforment en masque en tissu en fait. Ensuite j'ai eu des coques de téléphone, donc Stitch, parce que j'adore Stitch. Donc il y en a une que j'ai déjà sur mon téléphone, c'est un lot de 3, donc il y a celle-ci, belle, et il y a celle-ci que je trouve hilarante. Et celle-ci du coup c'est l'autre, comme ça. J'ai eu un panda, donc où il y avait dedans des washi tape. Donc du coup on va sur le thème panda, animaux et tout. Donc il y en a 4 comme ça, donc il y en a un c'est des ours, des gorilles. Ouais c'est des petits singes. Il y en a un bah c'est des koalas. Il y en a un c'est un peu genre des feuilles comme ça en mode koala. Et ça c'est des petits oiseaux. Ça c'est top pour mon billet de journal.
Ensuite j'ai eu ça, donc je ferai un homme aussi je pense en short ou ouais, ou en vidéo bonus. Donc il y a plein de trucs dedans, genre trop hâte de découvrir un petit kit créativité, c'est hyper cute. Et pareil on a encore un petit washi tape. Ensuite maintenant on va passer au livre, j'ai eu Tokyo Dream de Emi Kojan. Donc j'ai lu après les résumés, je ne connaissais pas. Donc voilà, ça a l'air un petit livre sympa. Ensuite, toi et moi, jamais. Là, j'avais déjà vu quelque part, mais me tentait bien, mais à chaque fois, je me suis dit, ouais, en fait, je vais prendre celui-là, même s'il me tentait. Et ben voilà, maintenant, je l'ai. Et 1000 baisers pour un garçon, parce que je sais qu'il est très apprécié par tous les ados. Par contre, la couverture est incroyable. Après, j'ai eu des petites lettres, des petits mots, mais du coup, bah voilà, je vais pas vous les lire. Voilà, donc, normalement, je n'ai rien oublié. Je dis bien normalement. Moi, je te fais plein de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!